Bon, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la carte du jour de ce lundi 29 juillet 2019. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end dans la joie et la bienveillance hein, et dans l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est les trois derniers jours avec cet oracle, s'autoriser à être soi en suivant les sept axes hein, que voici du développement personnel relatif aux sept chakras, cet oracle vous aidera peut-être à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. S'autoriser à être soi, c'est vraiment accepter sa part obscure hein, pour avancer vers sa lumière. Et si vous osiez enfin vous faire confiance, mes chères âmes, pour devenir la personne que vous êtes véritablement, parce que vous êtes toutes et tous des belles âmes. Hein? Alors, quel est le chakra que nous allons voir aujourd'hui? Alors, je prends la carte du dessus. Dis ta joie. Ah, ça fait du bien. Dis ta joie. Dis ta joie. Dis ta joie. Alors c'est le sixième, hein, c'est le sixième chakra. Dis ta joie. Non, c'est pas le sixième, excusez-moi, c'est le cinquième. C'est le cinquième chakra. Je confonds avec la couleur. L'indigo, voilà, je confonds avec l'indigo. Donc c'est le cinquième chakra. Dis ta joie. Alors, le cinquième chakra, c'est la gorge. Qui se trouve au larynx. Donc au niveau de la gorge. Et il est le siège de la communication, évidemment, hein, et de l'expression et de l'échange. Il est le moyen d'extérioriser tout ce qui se vit en nous. Alors ce chakra, lorsqu'il est harmonieux, hein, il permet d'exprimer, évidemment, librement les sentiments, les émotions, alors les pensées par les mots. Évidemment, puisque c'est le chakra de la gorge, et les gestes ou la créativité aussi. Hein. Bon orateur, en parfait accord avec votre cœur, vous captez aisément l'inspiration pour transmettre sagesse et vérité autour de vous. Si l'énergie circule mal dans ce chakra, vous êtes bloqué pour parler de votre vie intérieure. Et vous vous en tenez souvent à l'intellectualisme ou au rationalisme. Vous êtes peut-être timide ou au contraire dans un flot ininterrompu de paroles, vos émotions réelles. Eh bien, elle reste coincée dans la zone de votre gorge. Et vous avez tendance à vous sentir en total décalage entre votre monde extérieur et votre vie intérieure. Alors, il y a une solution, bien sûr. Le verbe créateur est porteur de liberté. L'expression de votre vérité, eh bien, elle est sacrée. Il faut apprendre à vous exprimer en accord avec votre cœur pour communiquer cette vérité.
On peut tout dire, je dis toujours on peut tout dire, à partir du moment où on le dit avec le cœur. Si on n'a pas les bons mots, eh bien dites-le à vous. Et voyez comment vous le prenez. Si vous le prenez mal, eh bien changez les mots pour ne pas blesser. Dis la joie. Dis la joie. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, ou dans tout ce à quoi vous pensez, eh bien, il émet le plus souvent possible de, il faut émettre le plus souvent possible de la joie, de l'optimisme et de la positivité. C'est tellement, tellement important. Regardez un peu toutes ces couleurs flamboyantes de cette carte qui est lumineuse. Mettez de la joie dans tout, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Vous savez, les mots sont porteurs de sens et de vibrations. Ça, vous savez ça. Si vous vous repérez à ce que vous dites, ben vous allez sentir cette joie intérieure. Si vous vous répétez des affirmations négatives, elles auront un impact tout autant négatif sur vous et généreront évidemment des émotions très négatives. C'est pour ça que je vous dis toujours, soyez positif, ayez des pensées positives. C'est tellement important, ces énergies positives, ces pensées positives. Alors n'employez que des mots joyeux, employez que des mots positifs, rayonnants. Et soyez dans cette joie pour tout. Mais réellement, pas faire semblant. Réjouissez-vous des petites choses, des petits riens. De ce que vous aimez. Vous pouvez vous réjouir d'un ciel bleu magnifique. Vous pouvez vous réjouir du rire de votre petit. Vous pouvez vous réjouir du rire de votre maman. Se réjouir des petites choses. De l'odeur d'un bon petit plat. La joie, c'est ce qui vous reste quand vous n'avez plus de doute. Le doute, c'est ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Ne doutez donc jamais, ou plus jamais. Et votre capacité à être heureux sera doublement récompensé. Soyez dans l'allégresse et l'enthousiasme. Et si la joie règne dans votre cœur, l'amour, eh bien, y aura sa place. Et alors, eh bien, vous aurez des ailes pour voler vers votre rêve. Oh, ça c'est beau. Positivez, soyez dans la joie, ne soyez pas dans la négation. Ce sont toutes des énergies vibratoires positives qu'il faut que vous puissiez prendre. Donc c'est réellement encore un travail sur soi, hein.
vraiment. De toute façon, dites-vous, lorsque vous gagnez une situation qui pose problème, vous allez tirer la tête. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que, parce que vous tirez la tête, en faisant ça, vous allez trouver la solution? Non. Si maintenant vous êtes dans cette positivité, allez-vous trouver la solution? Probablement. Probablement. Parce que vous allez attirer à vous ces énergies positives. On est le reflet de ce qu'on est intérieurement. On donne aux autres ce qu'on est intérieurement. On montre aux autres ce qu'on est intérieurement. Le rire, le sourire, tout ça, c'est gai. C'est sain. C'est profond, c'est joyeux. J'arrête, voilà. Oh là là, quel souffle, oh, quel bon souffle de joie, de bonheur, voilà. Quel beau souffle de bonheur pour commencer, eh bien, cette semaine. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés et qui visionnent ma chaîne. C'est l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain. Passez une excellente journée dans la joie, le rire et l'amour inconditionnel. On se retrouve demain pour une nouvelle carte du jour. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.